Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va noter vos équipes. Donc aujourd'hui c'est la partie 1. On va d'abord noter l'équipe de Natou, donc de Nat. Donc alors il a Passevert, Lozano, Crespo, Rodrigo, Mendy, Musrati, Pelé, Plata, Sergio Ramos, Ake, Badiachil. Ok, c'est une très bonne équipe. En plus t'as 122 général, c'est vraiment ultra bien. Je te conseille d'enlever déjà Passevert. Parce que c'est bon hein. Vu sa note, ben c'est très très loin, tu vois. Et après, je te conseille aussi d'enlever Lozano parce que c'est pas son bon poste, donc ça t'enlève la générale et ça t'enlève du collectif. Donc, ça c'est déjà pas ouf. Après, je te dirais aussi d'enlever Mendy. Limite, si tu veux faire un investissement avec, enlève-le de ton équipe et achète un MJ ou limite un AG, tu vois, ou alors tu joues à 5 quoi. 5 défenseurs, si tu veux limite, mais Plata ça ne peut pas être MD. Donc moi je te dis, enlève Mendy, garde-le à part. Je te dis aussi d'entraîner certains joueurs, par exemple Sergio Ramos, à moins que tu vas le mettre dans un échange. Après, moi je te dis, augmente. Tes primes techniques augmentent. Après, pour ton passe-vert, si tu as environ 11 000, 10, 15 millions, je te dis, t'as pas mal de gardiens. T'as Cobel, 107. T'as Maignan, 108. T'as plein d'autres gardiens que tu peux avoir à entre 10 et 15 millions de pièces. Donc pour ton Musrati, ben c'est à enlever aussi. Et je te dis en fait de changer avec un MDC. Donc si t'as besoin d'un Sensi, je te conseillerais Rodri Kimmich, ça fait le taf. Et si t'as besoin d'une meilleure note, pour l'instant je n'ai pas encore d'idée. Tu pourrais peut-être prendre un petit Kimmich LDC. La 107-108, c'est une très bonne note pour ton truc. Limite, tu prends un MDC à sa place, ça irait. T'as Bellingham, t'en as plein pour le poste de MDC. Moi, je te donne une note de 9 sur 10. Très belle team, mon ref. On passe à l'équipe de Raïs. Donc, il a Kelleher, Ronaldinho, Gabriel Jesus, Pelé, Rodrigo, Arnstad, Bellingham, Udoji, Sergio Ramos, Rudiger, Atal. Et t'as 119 de général, ça va, très bien. Moi, je te dis déjà, enlève ton gardien. Parce que la vérité c'est nul. Ton deuxième MC hors Bellingham, c'est pas ouf. Aussi, ton Atal. C'est pas parce que je suis marocain, je dis ça, mais sans attaque générale, c'est pas ouf. Gabriel Jesus, pareil. Je sais que tu veux une attaque totalement brésilienne. Mais avec tout ce que tu vends, avec ce que je t'ai dit, tu peux te faire peut-être un Roberto Carlos. Non, pas un Roberto Carlos. Un R9, pardon. Tu vois, et après t'économises avec. Et après, avec ce qui te reste, tu économises un peu pour des autres MC. Ou alors, t'essaies d'avoir des MC gratuits dans les échanges. Tu vois je te dis aussi d'améliorer tes primes techniques. Les gars, c'est super important les primes techniques. Sans les primes techniques, les gars, ça. Votre équipe, elle est pas ouf. Ça baisse votre général. Moi, je vous dis, faites vos primes techniques. Augmentez vos joueurs minimum à 10. Minimum à 10, les gars. Après, si vous n'avez pas assez de pièces, c'est pas de ma faute. Et pour Raïs, je te mets un petit 8,5 sur 10. Belle team, mon gars. On passe à la team d'Irakli. Pas qu'un miracle, apparemment. Bref, alors, il a Maignan, Ronaldinho, R9, Rush, Marco Asensio, Bellingham, Schweinsteiger, Davis, Tomori, Rudiger, Alaba. Donc, c'est une très bonne équipe, mon ref. Le collectif, ça passe. Moi, je te dis déjà. Toi, Asensio, ça bouge. Voilà. À la base, il n'est pas à son bon poste. Alors, soit tu changes Tomori et tu le vends. En plus, moi, si tu veux, je peux l'acheter. Si j'en ai vraiment besoin à la place de Sergio Ramos, je te l'achète, ton petit Tomori. Et après ton équipe passera bien, les primes techniques ça a augmenté. Et après, si t'as des gardiens achetés,
Comme j'ai dit à Nat, t'as Maignan, t'as Cobel à acheter en Ligue des Champions. Donc voilà, t'as assez. Alors, t'as 117 de général, donc je te mets une petite note. 2 buts sur 10. Très belle équipe, mon ref. GG à toi. Alors là, on passe à une autre dimension de team. C'est la team de Enes. Alors, Enes, t'as une bonne équipe, si tu veux. Mais en fait, t'as trop de joueurs. À peine 100 ou moins de 100 de général de base. Genre, Cobel, tu vois. T'as beaucoup de joueurs à revendre. À part Pelé, en fait, c'est toute l'équipe qui va dégager, tu vois. Et avec ça, tu seras à 10-20 millions. Tu peux t'acheter des joueurs 104, 105, 106 pour toute ton équipe. Sauf le buteur, tu vois. Donc moi, je te dis, tu les vends tous. Tu fais tes primes techniques. Et avec ça, tu entraînes tous les joueurs que tu reçois. Comme ça, t'as une bonne équipe. T'as 103 de général. Donc moi, ta note, je dirais 6,5 sur 10. Voilà, bonne équipe. Alors là, on passe à la team de Le Joueur Masqué. Donc là, je sais pas ce que tu voulais faire avec Kane, défenseur droit. Je l'ai pas dit avec la team d'Enes, mais Pelé, défenseur droit, je sais pas ce que ça va faire là. Hein. Les gars, mettez vos joueurs au bon poste. Alors toi, t'as déjà une meilleure équipe. Mais limite, genre, tu vends ton beignet d'air et tu joues en 4-4-2. Tu vois? Ou en 3-5... 3-5-2. Comme moi, quasi. Et genre, t'auras deux buteurs. Donc, tu mets Kane et Crespo, si t'as envie. Tu mets ton attaquant droit en MD. Klose, tu le vends. Klose, tu le vends. Tu vois? Cobel, tu peux garder pour ta générale, ça va. Après, ou alors tu vends genre toute ton équipe sauf Crespo. Tu te feras environ 5-10 millions de pièces. Tu t'achètes des joueurs 104. Tu auras assez et tu auras déjà une meilleure équipe. Donc, je te mets une note de. Je te mettrai 5,5, 6,5 sur 10. Voilà, t'as quand même une bonne équipe, donc ça va. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai surkiffé noter vos équipes. Je mettrai mon équipe en post communauté si vous voulez. Et vous la notez, vous me dites quel joueur je devrais acheter, quel joueur je devrais vendre. Dites-moi vos équipes si vous voulez une partie 2. Les gars, ceux qui veulent une partie 2, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Soit dans les commentaires de cette vidéo, soit dans un post communauté où je mettrai du coup la photo de mon équipe. Et dites-moi votre nom d'équipe, comme ça je vous note. Donc voilà, on se retrouve pour la partie 2 dans une ou deux semaines. Allez, ciao!